je viens de faire toutes les gestes de Soul King depuis le début de sa carrière. Et salam le monde, ça Game of aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction. Et tu l'as compris, on va réagir au dernier clip de Soul King. Le titre de ce clip, c'est Fada, sur une prod de Zach Cosmos. Donc voilà, Soul King qui est un artiste évidemment extraordinaire, un artiste que moi j'aime énormément. Et c'est vrai que ses sons, c'est toujours ambiançant, c'est toujours kiffant. Voilà, on va dire le délire un peu pop urbaine évidemment, mais surtout le côté un peu raï, le côté vraiment bien sûr arabique, le côté rebeu, c'est ça que je kiffe le plus. Et le mix des deux fait que depuis quelques années maintenant, c'est tube sur tube, c'est des millions voire des milliards de vues pratiquement. Donc là je me suis dit pourquoi pas me faire un kiff, réagir à un de ces clips, parce que je crois de mémoire comme ça, alors je vais vérifier, mais je n'ai pas fait de vidéo réaction sur un clip de Soul King. Donc ça c'est énorme déjà. Donc je me suis dit pourquoi pas y réagir évidemment. On va y réagir bien sûr de suite. Et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr n'hésitez toujours pas à profiter de mon partenariat avec le site thefoot.com. Voilà, si tu veux choper des maillots de foot, des survettes pas trop chers les frérots, n'hésitez pas à aller checker sur ce site qui est 100% sécurisé évidemment. Et n'hésitez pas bien sûr à profiter du code HPP. Vous aurez 15% de promo. Voilà, c'est déjà à la base c'est pas cher, mais là avec les 15% de promo, en gros c'est comme si tu payais pas la livraison quoi. Donc voilà, en une quinzaine de jours tu reçois tes articles et tout, et en plus c'est pas trop cher. Et comme j'ai, ah oui aussi, vous avez les derniers maillots là du PSG et du Real Madrid, du Barça. Voilà, il y a certains clubs là pour la saison 2021-2022, ils ont déjà les maillots les gars. Bref, le moment promo aussi c'est fait, on y va. Je n'ai rien inventé, tu vois les le tomber, elle fait tout se vanter, chérie tu te trompes. Elle s'est mytho, sans quitter, pour des pipos, elle s'est chantée, aïe aïe aïe. Oh là là, attends, c'est quoi ce placement de produit? Non, c'est... je trouve qu'il y a une belle vue. Moi, je trouve, tu vois, c'est ça qui est ouf. Si tu vois la vue un peu orangée derrière, tout ça. Non, elle est super bonne. C'est quoi cette gestue de ouf? Oh là là. Est-ce que je peux dire que... Est-ce que c'est possible de tomber amoureux via, tu vois, genre un écran, quoi? Genre, tu vois, est-ce que c'est possible? Moi, j'ai envie de lâcher ce débat, vous me dites en commentaire. Est-ce que c'est possible? Ou... Je sais pas. Oh là là! Oh là 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 là, oh là là. Ah, même le clip, hein, franchement, il est super beau le clip. Wow, ah, ça c'était chaud ça. Du coup, le clip Fada de Soul King, les gars. Ouais, vous avez vu, je me suis senti obligé de me lever. Moi, je pense vraiment pour les prochaines vidéos réactions sur les clips de Soul King, je les fais debout. Parce que je sais d'avance que je vais danser et que je vais m'ambiancer comme Germain. Mais c'est un délire. Franchement, c'est un délire de ouf. Il arrive quand même à chaque fois à nous ambiancer sur n'importe quel type de son. Là, cette prod-là, donc du coup de Zach Cosmos, voilà, c'était une prod vraiment Soul King. Là, on va pas se mentir. C'était une prod pour qu'il fasse ses vibes un peu raillées, quoi. Et après, on est toujours sur la thématique de meuf, tout ça. Bref, la limite, on s'en fout du texte. Ah, je vais pas vous mentir. Bien sûr, c'est pas un son où tu vas retenir des punchlines ou quoi. Mais il faut juste la vibes qui rentre en tête, la mélo, et un voilà, deux, trois mots
qui font que de tourner et qui font que de revenir dans le son. Mais franchement, voilà, moi je kiffe. Ça, c'est le genre de son, tu kiffes de ouf l'été. Et voilà, en plus, c'est même le clip. C'est ce que je disais, le clip, moi je le trouve bien aussi. Les bails de danse, voilà, les bails de chorégraphie et tout en même temps. Il met un peu, voilà, je pense, certains danseurs en avant. Parce qu'il faut savoir aussi, peut-être il y en a qui le savent pas, mais Soul King à la base, c'est un danseur hip-hop. Hein. Il est vraiment issu du monde de la danse. Et ça se voit, ça gestue. Tu vois que le gars, il est à l'aise et tout, même dans les petites chorés là qu'il y avait. Tu voyais que le gars il était super à l'aise. Il invente des petites gestues et tout qui sont un peu repris maintenant par pas mal de rappeurs. Hein. Parce que je me moquais de lui là un peu en intro, mais il y a des petites gestues et tout maintenant qui sont repris par pas mal de rappeurs. Donc il a une certaine influence dans le game. Hein. Et voilà, donc tout ça pour revenir à ce fameux clip. Pff, ouais, moi je survalide. Ça c'est un son que je vais grave saigner. Je me connais. Bon, il faut savoir que là, ce son là ne fait pas partie d'aucun projet en tout cas, parce que voilà, il avait sorti son album il y a déjà maintenant quelques mois, voire je crois un an, hein, son album Vintage, hein, qui était son dernier album, mais là ce son là c'est juste un single, peut-être qu'il va faire partie d'un projet, mais en tout cas il y a rien d'officiel, voilà pour la petite info. Donc tout ça pour dire que je survalide évidemment le clip Fada, je survalide notre cher frérot Soul King au top, il m'a fait encore passer un bon moment, voilà, j'ai kiffé. Donc voilà les frérots, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et comme j'ai dit aussi, n'hésitez pas à aller profiter de mon partenariat avec le site thefoot.com. Va choper ton petit maillot, ton petit survêt, ce que tu veux. Et n'hésite pas lors de ta commande à utiliser le code promo HPP, t'auras 15% de réduction. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux les frérots, allez-y. Tout est dans la description, hein, que ce soit le site thefoot.com ou mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Bref, c'était un game impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais leur fucking bills. Je suis égaré au milieu de ces tarés.